Jocelyn, bonsoir. J'ai envie de dire que d'émotion ce soir. Tu as dû passer un petit peu par tous les états. Ouais, encore une soirée à la Grégompèse, avec beaucoup d'émotions, effectivement. Des retournements de situation, je crois qu'on revient de loin, parce que voilà, le scénario du match a fait que on a été mené deux fois au score, un but juste avant la mi-temps qui nous fait mal, puis on revient à la 89e. Alors on se dit que les choses sont peut-être en train de tourner, on redémarre mal la prolonge. Je pense qu'on a été soulagé en faisant une très très grosse deuxième mi-temps, soulagé d'égaliser, et on a eu du mal à repartir sur la prolonge. Un but au bout de deux minutes. Et puis, voilà, ce qui caractérise aussi et le club et l'équipe, c'est que ça lâche pas et on revient. Alors après, voilà, la séance de tir au but, elle est également incroyable parce que ça peut basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà, alors je suis satisfait que le scénario nous soit favorable. Je vais pas le dire pour une fois, mais soit enfin favorable, parce que voilà, on venait de faire quatre défaites avec des faits de jeu, des éléments contraires. Et sur ce match-là, on est passé. Je crois qu'il y avait un double intérêt sur le match. C'était d'abord de faire un stop sur les défaites. Ça, c'était très important, que ça s'arrête, qu'on renverse les choses. Donc la qualif vient valider ça, et puis le deuxième élément, c'est que c'est une qualif pour un quart de finale. Et un quart de finale, Coupe de la Ligue, même si elle est décriée, quart de finale, c'est un quart de finale, et c'est toujours un moment important. On avait pour objectif d'être qualifié à la trêve, et sorti de la zone rouge en championnat, c'est ce qu'on devra faire samedi. Vous savez, incroyable la séance de tir au but. Quand le seul a raté son tir au but, on pensait que c'était fini, puis... Finalement, il est le héros du... Ça reste un grand gardien quand même. Hein. Il est, je trouve qu'il est monté d'un cran par rapport à la saison dernière. Il fait une très grosse première partie de saison, de championnat. Après, il tire toujours très bien les pénaltys à l'entraînement. Il tire même très bien les coups francs. Vraiment très bien. Il a la patte. Et donc, voilà, il la sentait, il voulait. Bon, il a rattrapé sa petite bêtise. On peut pas dire qu'il est bien tiré. Mais voilà, on lâche rien, on est là. Et bon, c'est vrai que on a une première mi-temps un peu poussive, sans être trop mis en danger, mais en étant mené. J'ai dégoupillé comme j'ai rarement dégoupillé à la mi-temps. Et on a fait vraiment une très très grosse deuxième mi-temps. Donc le résultat est là, la qualif est là. Nice est costaud quand même, ça la tient bien. Ils font beaucoup courir et puis ils sont capables de créer des brèches. Donc voilà, je trouve que c'est un bon résultat, un bel exploit. C'est le genre de choses qui pourrait donner un élan à ton équipe pour le match très important. C'est sûr qu'on avait besoin de ça. Quand en 15 jours vous retrouvez de la 10e à la 18e place, en prenant 0 points et en ayant des scénarios complètement contre vous, on peut faire preuve d'abnégation, on peut avoir toujours un discours. Positif parce que les gens sont dans l'esprit, mais ça suffit pas, il faut que ça se matérialise après. Et je trouve que la réaction tout au long du match, mais même dans la séance de tir au but, la réaction du groupe elle est exceptionnelle. C'était un moment important ce soir parce qu'il fallait que ce soit à nouveau favorable, et voilà, ça reste une belle qualif contre une très belle équipe.